écoute, moi j'ai la chance de travailler dans cette école, le Business School de Nice, le CSUDL, et je m'occupe de tout ce qui est communication, parcours des étudiants en stage, en entreprise, du réseau et de l'événementiel. Mais écoute, alors Sharon Rocks, c'est un projet d'école qui mixe, qui conjugue les talents d'intervenants et d'étudiants. Le BDE a pris en charge cette année l'organisation du concert avec les étudiants et je les aide, je les épaule cette année pour que l'an prochain, eh bien, le BDE gère entièrement cet événement. Ah oui, nous on espère que ça devienne un festival récurrent pour l'école, que les étudiants s'en servent comme un tremplin pour apprendre tout ce qui concerne l'organisation d'un événement. En plus là, il est caritatif, il comprend une quinzaine de groupes, c'est un facteur de cohésion, ça fédère, c'est du partage, cher en droit, c'est du partage. Alors voilà, le 29 avril, j'espère qu'on sera nombreux à applaudir les groupes, et que l'on puisse reverser ce qu'il convient de reverser aux deux associations, le Point Rose et Dyspraxie au Compostique.